Salut à toutes et à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ça va vraiment nickel. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de la série des 24 heures, comme elle vous plaît énormément. Et je me suis dit aujourd'hui que ça pourrait être pas mal de laisser Siri, donc l'assistant téléphonique, décider de ce que je mangeais pendant toute une journée. Dis Siri, est-ce que tu vas bien? Pas trop mal, je dois dire. Ok, bah nickel, alors si Siri ça va bien, moi ça va bien. En tout cas, voilà, aujourd'hui, on se retrouve dans cette petite vidéo posée, voilà, tranquille. J'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas déjà à liker. On essaie d'avoir la barre des 2500 likes. Encore une fois, tu sais ce que tu dois faire en début de vidéo. N'hésite pas à aller voir mes réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, donc Instagram, Snapchat, Twitter. N'hésite pas aussi à aller voir ma chaîne secondaire et mon YouTube qui sont en description. Et on n'oublie pas de mettre le code créateur Pierre-YT dans la boutique de Fortnite, c'est super important. Enfin voilà, je pense que vous avez compris le concept. On va demander à Siri ce que je vais manger tout au long de cette journée et on verra ce qu'il choisit. Maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Bon, alors voilà, du coup, il est actuellement 9h25, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà, je fais le petit focus. 9h25. Et comme c'est Siri qui doit décider de ce que je mange pendant toute la journée, et ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir 4 choix. Donc vous voyez voir deux petits déjeuners qui vont être très bons et que je vais kiffer. Et va y avoir deux autres petits déjeuners que je vais pas aimer. Et du coup, en gros, c'est 4 petits déjeuners sont numérotés de 1 à 4. Et moi, je vais devoir demander à Siri de choisir un numéro au hasard entre 1 et 4. Et du coup, en fonction du numéro qu'il m'aura donné, et ben ça déterminera le petit déjeuner que je prendrai. Je sais pas si vous avez bien compris, mais du coup, regardez là par exemple. Voilà, je vais faire la petite liste et je vais vous la montrer. Voilà, donc là, vous voyez, hop, la liste est numérotée de 1 à 4. Et donc là, du coup, je vais demander à Siri de me donner un numéro compris entre 1 et 4. Et en fonction du numéro qu'il m'aura donné, et ben je vais devoir manger le repas qui correspond à ce numéro. Donc vas-y, on commence tout de suite. Dis Siri, donne-moi un numéro entre 1 et 4. Le résultat est 3. Voilà, donc là, vous voyez par exemple là, j'ai demandé un numéro au hasard à Siri entre 1 et 4 et il m'a donné le numéro 3. Donc là, je vais me référer tout de suite à mes notes. Et donc, comme vous pouvez le voir, le numéro 3, c'est une tartine de Nutella avec du jus d'orange. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'étais grave chanceux parce que, donc en 1, c'était tartine de mayonnaise avec du jus de carotte, donc quelque chose que je déteste vraiment beaucoup. En 2, c'était de la macédoine de légumes. En 3, donc du coup, c'était une tartine de Nutella avec du jus d'orange. Et en 4, c'était quelque chose aussi de cool, c'était des pancakes avec du café. Là, il a choisi le bon choix. Il a fait le bon choix, il m'a donné quelque chose que j'aimais et qui est très très bon pour le petit déjeuner. Mais peut-être que pour les autres pas, donc pour le déjeuner, le goûter et le dîner, peut-être qu'il va sûrement me donner quelque chose que je déteste et que je ne peux pas manger en fait. Donc on verra bien ça. Là, comme il est actuellement 9h31, et ben je vais aller faire mes courses pour le petit déjeuner et on se retrouve juste après. Ok, ça y est les mecs, je viens de rentrer de course. Du coup, il est 9h57 comme vous pouvez le voir. Et du coup, ben là, ce que je vais faire, c'est que j'ai acheté tout ce qu'il fallait. Donc regardez, j'ai de la brioche, j'ai du Nutella, j'ai du jus d'orange et j'ai un grille-pain. Cette blague va beaucoup trop loin, je vous le dis. Ça sent bon. Bon alors du coup les gars, après préparation de ce petit déjeuner, il est 10h03. On va passer tout de suite à la dégustation, hop. Regardez ce magnifique petit déjeuner. D'ailleurs, on va mettre fin à un débat tout de suite. Dites-moi dans les commentaires si votre Nutella, vous l'étalez avec un couteau ou une cuillère. J'ai besoin de savoir. Tout le monde me dit qu'il faut le faire à la cuillère, mais moi je suis fait partie de cette team où je l'ai fait au couteau. Donc dites-moi dans les commentaires tout de suite maintenant. Je veux mettre fin à ce débat. Premier repas de la journée, on va se mettre vraiment bien les gars. Bon appétit hein. C'est quand même propre hein. C'est bon hein. Pour une fois qu'on mange quelque chose de bon dans une vidéo 24 heures, on en profite hein. Et c'est déjà fini. Regardez, il y a plein de pulpe et tout là. Vous, est-ce que votre jus d'orange, vous le prenez comme moi, avec pulpe, ou est-ce que vous le prenez sans pulpe? Encore une fois, dites-moi en commentaire si vous prenez avec pulpe ou sans pulpe. Bon les gars, fin du petit déj, il est 10h11. Attendez, je vous remets, il est 10h11, voilà, vous pouvez le voir. Et donc du coup, voilà, j'ai terminé de prendre mon petit déjeuner qui était vraiment plutôt pas mal, franchement, on va pas se cacher, c'était pas mal, je me suis bien régalé. Là, on va compliquer un petit peu les choses, c'est-à-dire qu'au lieu de faire comme pour le petit déjeuner, on a 4 choix différents, et bah là, pour le repas du midi, on en aura pas 4, mais bien 5. Donc il y aura 5 choix différents, dont 3 repas totalement dégueu et que j'aime pas du tout, et deux autres repas où j'aime bien. Donc c'est à dire que là j'ai plus de chances de tomber sur un repas que j'aime pas que sur un repas que j'aime bien. Mais bon, du coup, on se retrouve tout à l'heure vers 11h30 midi pour préparer le repas. À tout à l'heure. Donc là, je sais pas si vous le voyez, mais du coup les 5 choix sont faits. Il y a plus qu'à attendre qu'il soit midi pour pouvoir tirer au sort quel repas je vais manger. Moi, j'aimerais bien tomber sur un petit burger, ça me tente bien. Mais le truc que je détesterais le plus, franchement, je pense que ça serait l'œuf cru. Je pense que l'œuf cru, ouais, ça doit être le truc le pire que je puisse manger, je pense. On attend qu'il soit à peu près midi et puis ben on tirera au sort. À tout à l'heure. Bon alors du coup, ça y est les gars, il est actuellement midi 27 comme vous pouvez le voir sur mon téléphone juste ici. Et je me suis dit pourquoi pas, comme il fait beau dehors, bah pourquoi pas. Bon, je me suis dit pourquoi pas faire le choix dehors, comme ça, ça permet un petit peu aussi de prendre l'air. Donc bon, là on va faire le choix entre les 5 repas du coup que j'ai prévu. Donc je vous rappelle, je vous rafraîchis la mémoire pour ceux qui auraient déjà oublié. Les 5 choix différents sont du coup des escargots, un œuf cru, des épinards avec du poisson, une pizza ou un burger. Donc là, je vais tout de suite poser la question à Siri pour savoir ce qu'il va me répondre. Dis Siri, dis-moi un chiffre compris entre 1 et 5. 1 plus 5 font 6. C'est pas la question que je t'ai posée. Dis Siri, donne-moi un nombre entre 1 et 5. Le résultat est 1. Oh putain, oh non. Regardez, est-ce que vous voyez ou pas? Nombre aléatoire entre 1 et 5. 1. Attendez, si je me réfère au truc, c'est quoi? Oh bordel. Le numéro 1, c'est des fucking escargots là. Vas-y, c'est dégueulasse là, les escargots, j'ai pas envie.
Les escargots, mec. Bon, alors du coup, voilà, on est de retour à l'intérieur. Vous savez ce qu'il me reste à faire. Faut que je regarde un tonneau dans le congèle. Je crois que j'ai des escargots dans le congèle. Après, je regarde. Ils sont là. Et du coup, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est les faire cuire. Dis bonjour aux abonnés. Salam les reilles. Bon alors du coup les gars, voilà, après préparation du repas, il est 12h53 comme vous pouvez le voir juste ici, voilà, tac, 12h53. Et regardez, dites-moi si ça vous tente, genre si vous aimeriez en manger ou pas, dites-moi. Moi perso, bof, pas trop. Après je pense que voilà, le beurre à Gefinzer dedans, on va me faire manger les escargots sans problème je pense. C'est parti, le repas du midi, commence quoi. Putain, ouais, qu'est-ce que je ferais pas pour une vidéo YouTube quoi, sans déconner. Le goût est pas déplaisant, tu vois. Le problème qui se pose, c'est que c'est la texture. La texture, elle est horrible, mec. Niveau goût, franchement, je vais pas me plaindre, ça va. Mais c'est niveau texture que c'est pas ouf. Et en plus, j'en ai 12 à manger comme ça. Oh, celui-là, il est énorme. C'est vite écœurant en vrai. Il m'en reste plus que deux. Donnez-moi de la force dans les commentaires. Bon les gars, repas du midi terminé, repas un peu spécial, un peu chelou même, je dirais. Genre c'était pas. Ouais, c'était pas ouf quoi. C'était pas. Là j'attends qu'il soit 16h30 et on se retrouve tout à l'heure pour l'heure du goûter. Et d'ailleurs ouais, n'hésite pas à mettre le code créateur Pierre-YK dans la boutique parce que c'est important. Voilà, je le cale comme ça, auto-promo comme ça directement. Et like directement la vidéo aussi, n'oublie pas de la liker, c'est important. Et en fait, merci pour les 50 000 abonnés. La vidéo arrive vendredi prochain. La vidéo spéciale 50 000 abonnés arrive vendredi prochain. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure à 16h30 pour le goûter, à tout de suite. Bon alors voilà, ça y est les gars, il est actuellement 16h39. Voilà, attendez, petit focus, impeccable, voilà, 16h39. Et du coup bah voilà, je viens de terminer de jouer à Fortnite. Parce que du coup voilà, je rejoue à Fortnite comme on est actuellement le jeudi 29 août. Et qu'ils ont remis le turbo build, parce que franchement, dites-moi vos avis dans les commentaires. Mais on est d'accord que sans le turbo build, Fortnite c'était plus ce que c'était hein. Enfin bref, du coup voilà, j'ai terminé de jouer à Fortnite, il est 16h40. J'ai fait la petite liste des 4 repas différents. Donc voilà, donc je vous montre tout de suite. Il y a différents trucs, donc il y a Cyril du coup il a le choix entre des huîtres, une boîte de thon plus le jus, des crêpes ou une glace. Donc on va voir du coup ce que Siri il en pense. Alors du coup, dis Siri, donne-moi un numéro entre 1 et 4. Le résultat est 2. Le résultat est 2, il a dit 2, c'est boîte de thon plus jus. Sans déconner, j'en ai marre, les gars, j'ai déjà mangé des escargots tout à l'heure, là, je dois manger d'une boîte de thon avec et boire le jus. Vas-y, bah, putain, ça casse les couilles. Vas-y, bah du coup, les gars, je vais faire les courses, je vais acheter une boîte de thon. Bah, on se retrouve juste après pour la dégustation. Waouh, pour la dégustation du thon et du jus du thon pour un goûter. Je vous emmène avec moi. Bon, bah voilà, les gars, après un petit quart d'heure passé en course, il est actuellement 16h58 et bah du coup ce qui se passe c'est que il est presque 17h, donc faut que je me bouge parce que du coup bah le goûter normalement c'est à 16h, c'est pas à 17h ni à 18h. Donc du coup voilà, j'ai la petite boîte de thon blanc entier naturel, enfin ce que vous voulez. Écoutez, petite session ASMR. Franchement, ça donne envie. Franchement, là j'ai qu'une envie, c'est d'ouvrir et de boire le jus. Là, tu vois, D'ailleurs, petite dédicace à toi, Antoise, parce que je sais que tu bois le jus du thon et que c'est pas forcément dingue, mais bon, dédicace à toi. Ça, quel plaisir, hein. Bon, alors, du coup, du peu que je comprends, on va se faire un petit shot de jus de thon. Attendez, là. Va vraiment falloir que je boive ça, là. Bon appétit, les mecs. Le thon, j'aime bien ça, donc ça va pas de problème, mais. Le problème, c'est le jus. En vrai c'était bon, ça va, c'était pas déplaisant. Le plus déplaisant il arrive, il est là le plus déplaisant. Il y a des morceaux dedans, à la vôtre, chin. Mec, plus jamais de la vie tu me fais faire ça. Plus jamais, bah vous m'entendez bien, plus jamais je ferai un truc avec Siri. Et plus jamais je mangerai du thon surtout. Oh. Bon là du coup il est actuellement 17h09. J'ai fini de goûter. Je vais préparer encore comme tout à l'heure les 5 repas différents. Parce que du coup je vais faire 5 repas différents pour le dîner. Et puis on se retrouve tout à l'heure aux alentours de 18h30 pour préparer ce fameux repas. J'espère que ça sera bon, j'espère qu'on n'aura pas à boire du jus de thon ou du jus de poivron ou du jus de ce que tu veux. J'espère juste que ça sera quelque chose de meilleur. Enfin bref, on se retrouve tout à l'heure pour cette préparation. Et voilà. Je vais vomir. Bon du coup les gars, il est 19h15 et ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer tout de suite la liste des repas que j'ai faites. Comme repas pour ce soir, j'ai prévu alors soit en numéro 1 de la ratatouille, 2 de la tête de veau, 3 de la morue, 4 un hot dog et 5 un tacos. Alors j'espère que Siri fera le bon choix parce que j'ai ni envie de manger de la ratatouille, ni de la tête de veau, ni de la morue. Donc s'il pouvait choisir soit le hot dog, donc le numéro 4, et soit le tacos, le numéro 5, ça serait plutôt pas mal. Dis Siri, donne-moi un numéro entre 1 et 5. Un nombre aléatoire entre 1 et 5 font 5. Oh putain, regardez, le numéro qui est ressorti c'est le 5. Et le 5, attendez, c'est quoi? Le 5, regardez, le 5 c'est tacos avec du soda. Oh putain les gars.
Mais du coup les gars, je me dépêche d'aller en course parce que le magasin ferme à 19h30. Donc je me dépêche d'aller en course pour acheter tout ce qu'il me faut pour faire les tacos. Et puis on se retrouve juste après quand j'ai fini les courses. Ok, donc à l'heure où je vous parle, il est 19h35. Je suis rentré de course et j'ai tout ce qu'il me faut. Alors attendez, regardez, j'ai acheté de l'orangina rouge, voilà, un petit truc bien sympathique. Des galettes à tacos, voilà, magnifiques galettes à tacos qui font la taille, qui font 3 fois la taille de ma tête. Du fromage pour mettre dedans, de l'emmental râpé, des cordons bleus, de la sauce pomme frite. Donc bon, écoutez, là je vais préparer le tacos. Je vais vous filmer tout ça pour que vous puissiez voir ma méthode de préparation, ma méthode pour les tacos. Donc bah écoutez, suivez-moi, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est parti. Préparation du tacos. Et là voilà, ton tacos il est prêt, t'as plus qu'à le faire chauffer mon gars, et c'est bon. Et voilà, le tacos est ready to go. Regardez-moi ça les gars, franchement, notez-le sur 10 dans les commentaires, parce que là, il est lourd, franchement il est lourd. Voilà, alors du coup les gars, regardez, il est 20h09, tout est prêt, ça c'est prêt, je vais pouvoir commencer à le manger. Vraiment là, tout est prêt, donc écoutez, encore une fois, merci Siri. Je suis désolé si vous avez faim parce qu'il est tard chez vous, genre il est peut-être 1h du matin chez vous et vous avez faim, ou alors peut-être qu'il est, je sais pas, peut-être 19h et que c'est l'heure de manger pour vous. En tout cas, désolé, et moi j'ai faim, donc bon appétit. Regardez. Il déboîte. Regardez le croc là. Le croc que j'ai tapé, il est énorme. Bah du coup celui-là c'est un simple viande, mais il est bon quand même hein. Il déboîte. J'ai presque fini les mecs hein. Je connaissais pas ça mais pas mal hein. C'est pas mal du tout hein. De côté moi les gars, moi je vais vous proposer un petit quelque chose. Voilà, je finis mon petit tacos. Voilà, il me reste plus grand chose donc je le finis. Et on se retrouve dans ma chambre juste après pour le débrief de toute cette journée et de ce 24 heures qui s'est passé plutôt pas mal on va dire. Du coup on se retrouve tout de suite dans ma chambre pour le débrief. A tout de suite. Bon et bien voilà les amis, le 24 heures touche à sa fin. Écoutez, ce 24 heures aura pas été super facile, sachant que Siri a été gentil 2 fois sur 4 repas, il était gentil que 2 fois. C'est à dire que les escargots et le thon, j'ai pas vraiment kiffé. Enfin bref, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'ici. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le mot tacos dans les commentaires. Voilà, c'est le petit mot de la vidéo. Voilà, c'est le mot de la vidéo, le mot tacos, T-A-C-O-S. Merci à vous tous d'avoir visionné la vidéo jusqu'ici. N'hésitez vraiment pas à la liker si on pouvait atteindre la barre des 2500 likes. Ça serait vraiment énorme. Abonnez-vous aussi, c'est important puisque déjà, là, au moment où je tourne la vidéo, on est à 49 840 abonnés. Voilà, comme vous pouvez le voir, on est presque aux 50 000. Peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, j'ai déjà peut-être les 50 000. En tout cas, merci à vous tous. Comme je vous l'ai déjà dit, vendredi prochain, la vidéo qui va sortir, c'est une vidéo spéciale 50 000 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait vraiment très plaisir. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas surtout d'aller rejoindre mes réseaux sociaux et ma chaîne secondaire qui s'affiche à l'écran et juste ici. On se retrouve vendredi prochain à 17h15 pour une prochaine vidéo. C'était un plaisir, c'était Pierre et ciao ciao.